Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les lettres des abonnés. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va, je vous remercie. Alors, ça se rappellera la lettre des abonnés du mois de février, tout simplement. Alors j'aimerais vous poser une petite question et que vous y répondiez en commentaire. Au niveau des titres, vous voulez qu'on appelle ça comment? Parce qu'au final, si j'appelle ça le mois de février maintenant, mais pour la semaine prochaine, on va appeler ça comment? Vous voulez que je mette un titre par rapport à la vidéo? Imaginons qu'on m'envoie un truc, je sais pas, de catch qui est fou. Je dis, oh là là, un truc de catch. Par rapport au titre, vous voulez quoi? Que ça spoil un petit peu, qu'il n'y ait pas de spoil? Dites-moi ça en commentaire, c'est juste pour vous, pour se repérer plus simplement. À vous de me dire ça. En tout cas, aujourd'hui, on va déballer tout ça. Il y a plein de choses, donc on va y aller crescendo. Il y a des lettres, il y a des lettres un peu plus grosses. Il y a des lettres petites, mais qui ont l'air avec pas mal de contenu. Il y a aussi un colis qu'on va faire en plein milieu, comme ça au moins, c'est plutôt cool. En plus, c'est un colis qui vient du Québec, hein, du Canada. Vive le Canada et vive la Belgique, vive la France, vive tout le monde, parce qu'ici, il n'y a pas de discrimination. Pour envoyer vos lettres, vos colis, ou tout ce que vous avez envie d'envoyer, c'est très très simple. Normalement, ici, il y aura l'adresse. C'est mes écrans s'éteignent, ils me foutent une crampe, c'est pas grave. Alors, pour pas dire de bêtises, vous mettez Anas, parce que c'est le nom de la société qui a la boîte postale. En dessous, vous mettez Monsieur Coty, parce que le facteur, il faut qu'il sache à qui le colis est destiné précisément. Et après, vous mettez 278 rue de Rony, 93 sans Montreuil, tout simplement. Voilà. Et vous mettez pas tout simplement, hein, bien entendu. Voilà, c'est juste aussi simple que ça. Après, à vous de timbrer ça, etc. Vous pouvez envoyer ce que vous voulez, que pas mal de personnes me disent, Coty, est-ce qu'on peut t'envoyer un t-shirt? Coty, est-ce qu'on peut vous envoyer ce que vous voulez? C'est vous qui décidez. Même une petite carte postale en disant « Salut Coty, vive les cochons », c'est suffisant. C'est à vous de voir, vous décidez, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. En tout cas, je tiens encore une fois à vous remercier. Vous êtes toujours aussi nombreux à m'envoyer plein de colis. Il y en a encore plein qui attendent. Il faut que je speed un petit peu. Donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Et même dans les commentaires, généralement, même par rapport aux likes, tout ça, bah, vous êtes limite 98-99% à liker les vidéos. Et là, ça me fait super plaisir, parce que c'est quelque chose que vous aimez. Et moi, j'adore déballer tout ce que vous m'envoyez, parce que ça fait tellement plaisir. C'est limite, je vous imagine en fait en train d'écrire tout ça, en train d'envoyer la chose, en train de dessiner. Et c'est top. Enfin, je vais en parler durant le déballage, mais c'est fou. Et des fois, bah, qu'est-ce que je fais le soir avant de dormir ou quand je m'ennuie sur mon PC? Eh bien, je ressors des lettres, parce qu'il y a pas mal de lettres qui sont ici. Et je les lis, voilà. Et quand je me dis, ah merde, il y en a qui m'insultent en commentaire et tout, je suis, bah, c'est pas grave, je prends la lettre, j'ai le petit loup qui me dit, ah salut Coty, j'aime bien tes vidéos, tu me fais sourire, nan, nan. Bah voilà, le vilain commentaire, je l'oublie direct. Donc c'est vraiment une bonne chose, et je tiens vraiment à vous remercier, voilà. Je voulais aussi vous préciser une petite chose. En fait, j'ai oublié, c'est pas grave. On va commencer, et on est parti. Voilà. Je pose ça ici. D'ailleurs, j'ai répondu à pas mal de lettres, je les ai envoyées. J'espère que vous recevez mes réponses, hein, parce que j'en envoie pas mal. Si vous en recevez, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, m'envoyer un petit message privé en disant « Coty, merci, j'ai reçu ta réponse, ça m'a fait super plaisir, etc. » Comme ça, moi, je sais que vous recevez mes réponses. Alors là, c'est une lettre qui vient de Dijon. C'est le 21. Et c'est Zacharia L qui m'envoie ça. D'ailleurs, Dijon, tout le monde dit que c'est la ville de la moutarde, alors qu'il paraît que la moutarde ne se fait plus à Dijon. C'est la moutarde de Dijon, mais elle ne se fait plus à Dijon, donc je ne sais pas. Et aussi une petite chose, je sais que je vous embête à chaque fois au début, je suis désolé. Est-ce que vous préférez que je déballe les lettres et qu'on prenne notre temps, même si la vidéo a duré 40 minutes, c'est pas grave, ou vous préférez que je coupe ces parties-là où j'ouvre les vidéos? Voilà, boum, vous verrez juste ça en fait, vous verrez pas le déballage de la lettre. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Moi, je trouve que c'est plus authentique de tout faire, de toute façon, on se prend pas la tête. Alors, oh, tu écris très bien ta carrière. Alors, salut Coty, je m'appelle Zacharia et j'ai 14 ans. Je t'ai découvert il y a 2 ans en regardant une de tes vidéos de défi. J'ai trouvé ça violent, donc bien en gros que... Si, quoi que je suis un peu violent. Et depuis, en ce moment, je te suis non-stop. Tes vidéos sont toutes meilleures les unes que les autres, en particulier celles de GTA V, Dragon Ball Xenoverse et de Call of Duty. Call of Duty, j'en fais peu parce que j'ai pas de skill. Je dis pas que sur GTA, je joue très bien. Sur GTA, même si on joue mal, ça peut être drôle. Dragon Ball Xenoverse, c'est top, ça, on est d'accord. Et Call of Duty, bah, vu que je joue pas très bien, j'ai peur de la communauté. J'ai peur qu'on me dise en commentaire, putain, Coty, t'es une merde, arrête de jouer. Il y en a plein qui me disent, mais non, tu t'en fous, fais ce que tu veux. Mais voilà, c'est un petit peu dur des fois, les gens, ils sont un peu durs sur YouTube.
C'est facile de mettre un commentaire méchant, parce que quand on est derrière un clavier, derrière un téléphone, c'est facile de faire ça. Oui, forcément. C'était juste une petite lettre de rien du tout pour te dire « Ne change pas et continue comme ça. Je t'en prie, peux-tu répondre à ma lettre ? Cela serait le plus beau cadeau. Merci Coty, quel logiciel capture utilises-tu pour faire tes vidéos ?» Pour les capturer, j'utilise un LGP qui est là-bas. Je te le montrerai si tu veux après, si j'oublie pas de prendre la photo. C'est un petit boîtier d'acquisition. Et après, pour faire les montages, j'utilise Sony Vegas. Voilà. Un jour, pourquoi pas, je ferai une vidéo tuto pour expliquer comment je fais tout ça. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent peut-être se lancer et avoir des conseils. Ça peut toujours être bon. Même si mes montages sont pas les meilleurs, ça peut quand même aider. Alors là, tu m'as envoyé ton adresse, ben pourquoi pas. Mais comme je dis à chaque fois, je privilégie les anciennes lettres. Et après, je rattrape le retard, d'accord? Mais il n'y a pas de problème. Je sais pas quoi dire dans ma lettre, mais on va essayer de trouver quelque chose. Tu m'as aussi envoyé un petit dessin. Pourquoi pas, je ferai un dessin? Je te déciderai un cochon ultra moche. Voilà. Et t'as envoyé un dessin, alors. Alors, t'en as envoyé deux. T'en as envoyé un... Si je dis pas de bêtises, c'est Sangoku. En tout cas, les cheveux, tu les as très bien dessinés. Et la main aussi, je trouve. Hop là. Je trouve que, ouais. La main et les cheveux, très bien dessinés. Le visage, un petit peu moins, le visage. T'as un petit peu du mal. Mais la main est top. Même s'il y a un doigt qui est un peu chelou, quand même. D'accord? Attention. Et la deuxième chose, c'est... T'as fait le cycle de Call of Duty qu'on voit ici. Que vous verrez bien. Call of Duty qui est très bon, hein. Le Black Ops 3, moi j'aime bien, mais j'attends quand même un Call of Duty un peu moins futuriste et où on saute pas dans tous les sens. Un Call of Duty, on reste vraiment à terre. Où on peut sauter, mais juste sauter, pas plus. Parce que les jetpacks, tout ça, c'est bien, mais pardon, c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. Merci beaucoup, Zakaria. Ensuite, on a une lettre du 50. Du 5670, c'est Monsieur D, parce qu'il n'a pas écrit son prénom, malheureusement, mais on va voir ça ensemble. Alors, s'il vous plaît, ciseaux. Merci. Comme d'habitude, on galère toujours un peu. Attendez. À chaque fois, je fais très attention quand j'ouvre une lettre, parce que j'ai peur... J'ai peur de couper quelque chose que le petit loup m'envoie. Et ça, c'est pas respectueux, forcément. Vous imaginez? Vous prenez, je sais pas, une demi-heure, une heure à me faire une lettre, et moi, comme un sauvage, je découpe ça. Bon, l'enveloppe en elle-même, c'est pas grave, y a pas de problème. Mais le contenu, c'est pas bon du tout. Alors là, il y a pas mal de choses. Tu peux t'ouvrir, s'il te plaît. Il y a pas mal... Oh, il y a pas mal de choses. On va voir ça, après. Comme on dit à chaque fois, vous connaissez la routine, on lit la lettre, on voit ce qu'il y a après, et puis voilà. Alors, là, il y a une lettre, sans doute, pour te la renvoyer. Alors, c'est Maxime. C'est Maxime. Maxime qui habite à Saint-Pas. On t'a envoyé plein de choses, dis donc. Alors, il voit bien, c'est rien derrière, que des fois, il y a l'adresse. Et on me dit, Coty, putain, t'as montré l'adresse derrière. Mais c'est pas volontaire, hein, sachez-le. Alors, merci pour toutes ces années. Allez, salut, 400 000 de petits porcinets. Un cochon reste un cochon. Tout à fait, le porc français. Ben quoi, t'as jamais entendu parler du porc USB? Allez, celui-là, j'aime beaucoup... Le coup du port USB, je sais pas si vous le voyez, c'est plutôt pas mal. Le web de Monsieur Coty, j'ai beaucoup aimé le truc qu'ils ont fait sur moi, en retraçant un petit peu mon parcours. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont pas voulu me laisser prendre la vidéo pour la mettre sur ma chaîne. Ça m'a un petit peu déçu, mais bon. Et t'as fait un petit dessin de cochon que je trouve super, super top. Qui ici? Franchement, le petit... Ce que tu viens de faire, ça c'est magnifique. Fais même un bisou. Voilà. C'est un petit peu flou, mais c'est pas grave, je lui ai fait un bisou. Sachez que c'est pas de ma faute, les focus, tout comme ça, c'est automatique. Que malheureusement, il n'y a personne qui me filme derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est le mur. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Le focus! Arrête de faire les bêtises. Alors, et là, t'as envoyé la lettre. C'est une carte postale qui est de Luffy. Alors, bonjour Monsieur Coty. Je fais une tête de cochon. Je m'appelle Maxime D. J'ai 15 ans et j'habite à Saint-Pas, qui se situe à 50 km du Mont Saint-Michel, dans le Saint-Côte, qui est la Normandie, ville des Normands. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés normands, donc ça fait plaisir. Ça va faire 3 ans que je regarde tes vidéos. Je t'offre une carte One Piece en espérant que tu apprécieras. Pourrais-tu me donner quelques goodies en rapport avec One Piece? Eh bien, je dois en avoir quelques-uns. Il faut que ce soit des trucs petits. Je dois avoir des pins, si je ne dis pas de bêtises, que je n'utilise pas forcément.
Je regardais ça après, et bien sûr, bah, si ça m'a pas été demandé avant par une autre personne, il n'y a aucun souci. FAQ 1072, bon, c'était par rapport à ça. Que fais-tu des jeux après leur découverte? Tu les gardes ou pas? Bah, franchement, tout ça, tout dépend des jeux. T'as des jeux auxquels je fais une découverte, et après je les fais en live sur Twitch. Une fois que c'est fini, bah, ça va dans mon meuble ou ça va dans un box où il y a plein de choses à moi. D'ailleurs, c'est pas mal de personnes me disent « Quoi, pourquoi il y a plein de bordel, etc. ?» En fait, c'est juste tellement j'ouvre de boîtes, unboxing, tout ça, que bah, je prends ces cartons-là et je range tout ça dans les cartons. Et après, ces cartons-là, bah, ils partent dans le box à mon frère, on se partage ensemble. Et voilà, c'est juste ça. Et en fait, ça se renouvelle assez souvent. Même, il y a plein mal de cartons là-bas qui sont en train de se remplir. Et c'est perpétuellement comme ça. Et donc, oui, pour les jeux, après, ça dépend lesquels. Il y a des jeux que j'aime, que j'ai testé en découverte, qui m'ont pas tellement plu, et qui finissent, encore une fois, bah, très loin de moi. Et t'as des jeux qui sont toujours là, à portée. Mais je garde tout le temps les jeux. Généralement, je les revends jamais, ou je les garde tout le temps. Je suis un peu un collectionneur, en quelque sorte. Pourrais-tu faire une nouvelle vidéo... Attends, une nouvelle vidéo setup, parce que j'ai fait un mini setup, mais c'est vraiment un mini setup. Pourquoi pas, moi en fait j'ai rien de particulier dans ma chambre, donc je vous dis que ça va plutôt vous faire chier de me voir faire un setup. Et pourrais-tu faire un top 10 de tes jeux préférés? Bah je l'ai fait, parce que comme tu m'as envoyé ça, ça s'appelle le top 5 des jeux 2015, je te conseille d'aller la voir, si c'est pas déjà fait, comme on l'a dit, on a un petit retard, et j'ai mis mes 5 jeux que j'ai le plus kiffé en 2015, et d'ailleurs le prochain top c'est un top GTA. Alors, c'est bon, oui, c'est ça. Là, je dis la carte postale qui est magnifique. Luffy comme ça, ça tue. Alors là, il y a ton adresse pour te renvoyer quelque chose. Hop, je mets ça ici vu que c'est toi. Et tu m'as envoyé pas mal de petites choses. Alors là, c'est du Kingdom Hearts, si je dis pas de bêtises. Ouais, Kingdom Hearts qui est un RPG par Square Enix où il y a des personnages de Disney. Et franchement, il est top. D'ailleurs, Kingdom Hearts 3, qui va peut-être sortir en 2016. Là, on a un poster de Naruto. D'ailleurs, Naruto, je l'ai déjà. Pour ceux qui se demandent, je l'ai depuis jeudi dernier. Parce que je l'ai eu limite 10 jours en avance. Il est là. Je suis déjà en train de vous préparer les découvertes, le let's play, tout ça. Je suis en train de vous préparer tout ça. Malheureusement, je peux pas poster les vidéos avant le 4 février parce qu'il y a un embargo et je respecte toujours les embargos. En gros, les embargos, c'est l'éditeur vous passe le jeu en avance, tout ça pour faire des vidéos, pour les préparer, mais vous n'avez pas le droit de poster les vidéos avant une date qui vous impose, tout simplement. Et là, je respecte tout le temps parce que bah, c'est une question de politesse. Et on a un deuxième poster avec encore du Naruto. Et là, c'est le Naruto qui m'a le moins plu, personnellement, celui-là que j'ai joué. C'est le Naruto, comment il s'appelle? C'est le Revolution, hein, Ultimate Ninja Storm Revolution. Je trouve qu'au niveau du gameplay, etc., je sais pas, c'est pas forcément celui qui m'a le plus plu. Et pour finir, on a... c'est Batman, ça. Enfin, c'est le Chevalier. Chevalier d'Arkham, dans Batman Arkham Knight, qui est excellent. Mais pour moi, le meilleur Batman en termes de jeux vidéo, ça reste le Arkham Asylum. Même si les autres sont excellents. Mais mon préféré, c'est Arkham Asylum. Largement. Largement. Et là, tu m'as envoyé des petites choses. C'est quoi? Tu m'as envoyé un hamburger. Un hamburger, comme diraient certains. Alors, tu m'as envoyé un hamburger. Alors, par contre, je ne sais pas si je peux le prendre, parce que souvent, je vais me renseigner. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est un petit hamburger. Parce que parfois, dans les bonbons, il y a de la gélatine de porc, pour ceux qui ne savent pas. Et bah, je vais essayer de me renseigner sur ça pour savoir s'il y a de la gélatine ou pas. Et dans une prochaine vidéo, bah, je te dirai si c'était bon. Je te dirai si s'il était... J'aimerais bien le manger... Oups. J'aimerais bien le manger maintenant, mais le problème, c'est que si c'est du halouf, bah ça n'est pas trop. Surtout avec ce que j'ai subi au niveau de mon estomac il n'y a pas très longtemps. Je t'avoue que c'est un peu compliqué. Par contre, là, tu l'as super bien emballé, ça c'est quoi? Eh bien, ça picote. Et ça picote. Et ça picote. Ok. Alors, c'est des personnages de chez Nintendo, d'après ce que je vois. Il y a un petit Toad, il y a un Luigi et il y a un Boo. Ah, t'as bien emballé, hein. Franchement, là, c'est sûr que ça pouvait pas se casser comme ça. Allez. Mais les écrans, en fait, c'est toutes les 10 minutes qu'ils s'éteignent. Et en fait, des fois, j'oublie
de les toucher pour pas qu'ils s'éteignent, tout simplement. Alors là, on a le petit bout. Hop. Est-ce que vous allez bien le voir? Normalement, oui, voilà. Désolé. Parfois, on voit pas très bien. Voilà, là, vous le voyez bien. Là, 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 là. Donc le petit bout qui va aller ici, parce que j'ai plein de... j'aime bien avoir des petits... Oups! Oh pardon, t'es tombé mon petit loup. Voilà. Passe debout. Ensuite, on a le toad. La petite... Oh, pignon! Qui est ici. Voilà. On va le mettre à côté du bout. De toute façon, il faut que je fasse du rangement sur mon bureau. Et pour finir, on a... Ah non, oups! Excusez-moi. C'est Mario Kart. Bon, voilà. En fait, c'est vraiment Mario Kart. Je pensais que c'était Luigi au début. Voilà, c'est le petit Mario Kart. Merci beaucoup en tout cas. Franchement, t'as envoyé tout ce que j'aime. C'est-à-dire, Mario Kart, j'adore. L'univers de Nintendo, de base, j'adore. T'as envoyé du One Piece, du Naruto et du Batman. Et une belle lettre. Une la carte postale là-dessus. Donc en tout cas, Maxime, je te remercie beaucoup. Ne t'inquiète pas, je vais te répondre quand j'aurai le temps. Et je vérifierai si j'ai pas des petits goodies de One Piece à t'envoyer. Au pire, si je vais pas, je te ferai un dessin de One Piece. Alors, je vais faire ça comme ça. Je te ferai un petit dessin de One Piece, ce sera collector. Personne ne l'aura au monde. Ensuite, nous avons une lettre de je ne sais pas qui. Alors, on va voir ça. Là, c'est bien. Hop là. Alors, je vérifie bien. Alors, pour Coty. Ouh là là, c'est longue lettre. Alors, pour Coty, salut Coty, mon cochon. J'espère que tu vas bien. Je voulais t'écrire cette lettre pour te remercier. Cela fait maintenant 2 ans et demi que je te connais et que je te suis tes vidéos irrégulièrement. D'ailleurs, c'est à la sortie de GTA V que j'ai commencé à les regarder. Tu as été le premier youtubeur que je regardais. Ce fut une agréable surprise de vidéo en vidéo. Au début, je regardais que celle de GTA. Mais quand je me suis plus intéressé, j'ai commencé à regarder tes FAQ, tes hontes, tes peurs. Tes découvertes étaient Monsieur Coty raconte sa vie, qui me manque énormément d'ailleurs, et je ne suis certainement pas le seul à le penser. Bah d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui parlait de mon week-end de merde, enfin le pire week-end que j'ai passé, et bah ça vous a plu quand j'ai vu par rapport les commentaires, etc., et les avis. Bah ça vous a plu que je vous raconte ma vie, donc maintenant je vais le faire de plus en plus souvent pour les trucs qui sont quand même intéressants, parce que sinon, si je vous fais des vlogs ou je vous dis tiens, je suis sorti dehors, j'ai pris une vieille en photo et je suis rentré chez moi. C'est pas intéressant, forcément. Ensuite, au fil du temps, je me suis rendu compte que je ne te suivais pas seulement pour tes vidéos, mais aussi pour ta personne. Ta personnalité et tes valeurs qui ont fait que je t'apprécie beaucoup. Je me souviendrai toujours de ces phrases pourtant si ordinaires, mais qui t'appartiennent droite, gauche, boum. D'ailleurs, on l'a repris, ça. On le reprend maintenant. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais bien. Je vous remercie. Ouais, c'est con, mais c'est vrai qu'au final... Toutes les vidéos commencent de la même façon, finissent de la même façon, etc. C'est... Ouais. Tu sais, je suis en terminale et c'est pas tous les jours facile. Il y a des journées où je reviens du lycée exténué, mais lorsque le soir je vois tes vidéos, tu me remontes immédiatement le moral grâce à ton humour, pardon. Je m'identifie à toi car on a les mêmes valeurs et cultures. Il y a, pardon, une anecdote assez marrante. Je me souviens d'une vidéo où tu as dit t'être rendu à Neuilly-sur-Seine. Que tu as qualifié de ville très riche, et je m'en rappelle, ça m'a fait rire. Ouais, que j'étais parti à Neuilly-sur-Seine, pardon, si je dis pas de bêtises, c'était parce que j'étais parti dans les locaux de Square Enix pour récupérer le collector de Final Fantasy Type 0. Et je sais plus que j'ai pris plein de photos d'ailleurs, et je l'avais raconté en vidéo, il me semble. J'avais fait soit un unboxing, soit un vloggy par rapport à ça, ou je sais plus où j'étais. Ah, peut-être aussi que j'étais aussi parti chez Warner Bros plusieurs fois pour les Lego, pour Mortal Kombat. Et Neuilly, j'étais parti pourquoi aussi? J'étais parti à Neuilly, il me semble aussi, pour Microsoft, quand ils m'ont invité pour Forza. Je pense que c'est les 3 seules fois où je suis parti à Neuilly. T'étais parti pour Warner Bros, bah voilà, comme quoi c'était bien ça. Et là, j'ai sauté de joie car je me suis dit que tu as été dans la ville où j'habite et à même pas 5 minutes de chez moi. Voilà, tout cela pour te dire que quoi que tu fasses, je t'adore, je serai toujours présent lors de tes lives, et même si je ne commente pas souvent tes vidéos, je regarde quasiment toutes, et je continuerai à les regarder tant que tu n'arrêteras pas YouTube. Je te conseille vraiment de continuer, car tu représentes beaucoup pour moi, comme pour des milliers d'autres personnes, j'en suis sûr. PS, si tu veux savoir mon nom et âge, ne lis pas à voix haute. D'accord.
Donc c'est un abonné qui veut pas que je dise son nom, mais bah, comme il est au lycée, pour son âge, je pense que vous, voilà, je pense que vous voyez qui ça peut bien être. Enfin, à quel âge il a, pardon. Merci beaucoup en tout cas pour ta lettre, elle est top. C'est le genre de lettre qui me fait kiffer. Pas. C'est pas que les autres me font pas kiffer, hein, loin de là. Mais là, toi, tu me racontes ta vie, et c'est ça que j'adore, parce que oh, je sais, enfin, je sais pas comment dire ça, je sais qu'est-ce que je représente pour toi, et c'est juste énorme, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais savoir que t'es au lycée, que c'est vrai que quand. Je crois que tu as passé le bac, et c'est assez compliqué, et que bah, mes vidéos te font plaisir et te font passer un bon moment, c'est. Moi, c'est le top du top. Souvent, on me dit, ouais, Cody, tu fais pas tes vues, mais je m'en fous. Tant que je fais plaisir à des personnes comme notre cher ami, j'allais dire son prénom, mais j'ai pas le droit de le dire, bah, moi, c'est sympa. Je m'en fous du reste. C'est pas le problème. Donc, nous avons une nouvelle lettre d'Arthur qui habite dans le 76 à Souleval. Arthur C, de son nom de famille. Alors, on va essayer d'ouvrir la lettre proprement, qui a mis du scotch de Petit Loup. Voilà, oh. Oups. Voilà. Papa, la petite lettre. Je devrais dire que ça vient de Résaillère, je trouve. Salut mon petit Coty. Je t'écris cette lettre pour te dire que j'adore ce que tu fais, et que je te soutiens au max. En tout cas, tu fais du très bon contenu sur GTA, etc. Franchement, je voulais te dire que tu as un max de courage pour tout ce que tu as subi. Je suis tous tes lives. Puis, je te demandais un petit service. Peux-tu m'envoyer un petit autographe? Je t'ai laissé mon adresse en bas. Arthur. Il n'y a pas de problème. Et tu m'as mis aussi ton snap, que j'ai du mal à lire. L'adresse, en tout cas, c'est bon. Il n'y a pas de problème, pas d'adresse. Il n'y a pas de problème. Moi, les autographes, pour moi, je trouve que je ne suis pas une star. Je suis pas. Je suis comme toi. La seule chose, c'est que je fais des vidéos et que tu es là pour les regarder. Je suis comme tout le monde. Je vais faire des courses. Je vais aux toilettes. Je fais ci, je fais ça. Je suis comme tout le monde. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Si ça peut te faire plaisir d'avoir un autographe ou de n'importe quoi, bah, il n'y a aucun souci, Arthur. Ce sera fait avec grand plaisir. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est autographe. Voilà. Tout simplement. Voilà, mon écran part un peu en sucette. Allez, on fait cette lettre. Après, on fera le gros colis. Je pense que c'est ce que vous attendez depuis le début, pour savoir ce qu'il y a dedans. Non, on le fera à la fin, le colis. On le fera à la fin. C'est mieux. Comme ça, on finira avec quelque chose de gros. Mara Ali, qui habite à Essay, dans le 51. Le 51, c'est... Je vois pas du tout où c'est, le 51. Je vois, mais je vois pas en même temps. 51. C'est pas Nancy. C'est pas Nancy. Je vois plus du tout. Hop là. Ah, il y a un petit dessin. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Coty. Je m'appelle Pierre. Ok, c'était Pierre en fait. T'as peut-être mis. Ah, d'accord. Shame on me. Attends, je m'appelle Pierre et déjà j'écris mal, excuse-moi. Non, ça va, franchement ça va. J'arrive à lire en tout cas. J'ai connu YouTube grâce. J'ai connu YouTube grâce à toi et grâce à ça je te remercie pour toutes tes vidéos qui me plaisent. Excuse-moi, je ne suis pas tes lives, pardon, mais quand je rentre et que mes profs mon soulet, je regarde tes vidéos et ça me réjouit. Pour te dire, avant, j'habitais à La Réunion et ça fait quelques mois que je suis arrivé en France. Bah, j'espère que ça se passe bien. C'est-à-dire qu'à La Réunion, il fait beau, etc. Et la plage, généralement, les fruits exotiques, etc. Bah, là, quand tu arrives en France, il y a un petit peu un choc. Pas mal de personnes, justement, quand ils viennent des îles, la Guadeloupe, la Martinique, l'île de La Réunion, etc., arrivent en France, bah, il y a souvent un petit choc. Et pareil, inversement, quand vous habitez dans la France métropolitaine et que vous allez dans les dom-toms, bah, souvent vous kiffez, parce que c'est en même temps, c'est kiffant là-bas. J'aimerais bien aller un jour en Guadeloupe, par exemple. Merci pour toutes tes vidéos. Dans mon collège, j'ai 12 ans, pardon, tes vidéos sont nos sujets préférés. Bah, dédicace à tous les copains de Pierre. C'est quelle ville, attendez.
C'est à Essay, dans le 51. Donc tous les copains de Pierre, il a pas dit son collège malheureusement. Bah gros bisous à vous tous. Voilà. Je te dis encore merci pour tout. Et si tu pourrais m'envoyer un autographe, ça me ferait super plaisir, mais tu n'es pas obligé. Bah je vais essayer de bien lire ton adresse. Je vais essayer de bien lire ton adresse. Et si j'arrive à bien la lire, etc., il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Je ne sais pas dessiner. T'as dessiné un cochon, moi. Un cochon qui a pris beaucoup de poids, quand même. Hein. C'est moi, il y a quelques années, quand même. Même si maintenant, bon, disons que je suis pas mince, mais c'est un petit peu moi, ça. Donc merci beaucoup, mon petit Pierre. Et avec grand plaisir, bah, encore une fois, dédicace à tous tes copains. Et ça fait plaisir que vous partagez, bah, moi, comme sujet de discussion, en espérant que tu sois super gentil. Et puis voilà. On va faire une petite pause, enfin ça prend juste une seconde, c'est juste parce que la caméra, enfin l'appareil photo prend 30 minutes de vidéo, donc je vais couper et on se retrouve maintenant. Oui, je voulais tester pour voir si ça allait bien ou pas. Alors, nouvelle lettre de, je ne sais pas qui c'est, ma chaise elle me rend ouf. Vivement que je reçois la nouvelle, j'attends, hein. Ça doit être une dextresseur, j'attends de voir. Mais sinon je reprends peut-être mon ancienne parce que celle-là quand la queen elle est vraiment embêtante. Et elle le fait quand je baisse ma chaise en fait, parce que quand je fais ma vidéo ou je me filme, la chaise est baissée à son maximum. Alors que quand je la mets un petit peu plus haute, ben, on entend moins couiner. Je dois peut-être surélever la caméra. Au moins on serait bien. Alors, rien écrit derrière. Cher monsieur Coty, cela fait maintenant un bon petit bout de temps que je te suis. Tu es l'un des rares youtubeurs auxquels je ne me lasse pas. J'adore ta personnalité, pardon, et ta manière de penser. Je te suis également sur Twitch, j'adore les lives où tu parles avec nous en lisant la plupart des commentaires. Bah d'ailleurs, hier j'en ai fait un petit peu tard, c'est vrai, parce que bah en fait j'ai regardé un truc avec ma mère, c'était une émission sur les bagages, sur RMC Découverte, où par exemple, quand vous prenez l'avion, bah des fois les gens perdent leurs bagages, et quand ils sont pas réclamés, bah ils sont mis en enchères. Et il y a une nouvelle émission sur RMC Découverte, qui a été mise c'était hier, c'était dimanche, et j'ai kiffé ça jusqu'à 23h30 et puis voilà. Donc après on a fait un petit live, on a parlé de tout n'importe quoi, on a regardé des trailers de nouveaux jeux, des jeux qui vont être bien en 2016. Moi j'adore discuter, c'est vrai que souvent les gens aiment bien voir des youtubeurs ou des streamers jouer à des jeux. Moi j'aime bien des fois discuter avec vous parce que c'est cool, tout simplement. Alors voilà, j'espère que tu ne vas pas changer car tu es un gars super, je regarde toutes tes vidéos, j'adore les FAQ, tes déballages, tes vidéos sur GTA, découverte de jeux, bref, j'adore, continue comme ça. Tu t'appelles François, tu as 13 ans et tu es né le 13 décembre, pardon, excuse-moi. Et t'as fait un petit dessin. Merci beaucoup mon petit François, ça me fait plaisir, j'espère qu'on se reverra très vite en live, et le jour où je fais un live et tu es là, dis, c'est moi François, la lettre, comme ça je te reconnais. Alors, hop, voilà, j'arrive pas à la prendre. C'est une grosse lettre, il n'y a pas, ah si, je veux dire, il n'y a pas de prénom. C'est Vincent A, qui habite dans 94 à Créteil. D'ailleurs, une petite anecdote sur Créteil, j'ai travaillé là-bas. Je pense que tu connais sans doute, pour ceux qui habitent à Créteil ou pas loin, j'ai travaillé à Créteil-Soleil, au carrefour de Créteil-Soleil, dans le centre commercial. J'avais travaillé pendant 3-4 mois, en fait c'était pour un stage surtout, au niveau carrefour, et c'était dans la partie multimédia, genre ordinateur, téléphonie, tout ça. Et ça s'était très bien passé, moi j'avais kiffé. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une personne venait me poser des questions, etc., en tant que vendeur apprenti, bah, il disait que j'étais super gentil, parce que, en fait, c'est vrai que les vendeurs ont souvent la réputation de pas être méchant, mais de penser qu'aux chiffres, eux, ils veulent que vendre, ce qui est compréhensible. Par exemple, imaginons que vous dites « Bonjour, j'aimerais un téléphone pour téléphoner, Captain Obvious. » Voilà, vous leur dites ça. Ils vont dire « Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Tenez, on vous propose ce téléphone, vous pouvez faire 40 millions de trucs. » Alors que la personne, elle veut justement un téléphone juste pour appeler et pour recevoir des appels, rien de plus. Le vendeur, il va vous proposer quelque chose qui est la gamme au-dessus parce qu'il fera un meilleur chiffre d'affaires par rapport à ça. Et ça, moi, je suis pas très fan. Je trouve que, et c'est pour ça que les clients m'aimaient bien. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on devient riche, forcément. Mais est-ce que c'est forcément le but ? Ouais, désolé pour le bruit. Hop là. Alors, tu m'as envoyé plein de petites choses. T'as mis des petites pochettes, en tout cas. Et ça, c'est super stylé.
Comme ça au moins, c'est simple. Ah, je vous montre pas. Il y a des petites choses plutôt sympas. Attendez, il y a des choses plutôt sympas. Alors, coucou mon cochon préféré, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Vincent, j'ai presque 14 ans le 19 mars. Ah bah c'est dans pratiquement un mois et demi. De un mois et demi. Je suis en quatrième et j'ai des bonnes notes, t'inquiète. Bah j'espère. Parce que si t'as pas des bonnes notes, je te défonce. Non, l'école c'est important. L'école avant le reste. Comme ça au moins après, t'auras un bon travail, ce que j'espère pour toi, et tu seras bien. C'est le plus important. Parce que regarder des vidéos, faire des bêtises, crois-moi, après, quand tu vas devenir plus grand, bah tu vas regretter tout ça. T'auras passé des bons moments sur le coup, mais après, tu vas regretter. La première fois que je suis allé sur YouTube, et la première vidéo que j'ai regardée, c'était toi qui l'avais postée. Et j'ai direct accroché, et depuis, je regarde presque toutes tes vidéos. Désolé, mais des fois, je n'ai pas le temps. Les cours, plus ma maladie, merde. C'est pas que tu étais malade. Bah, de toute façon, si t'es malade, c'est pas grave. Parce que il faut garder la positive attitude. C'est ce qu'il faut dire. Parce que quand on est malade, quoi qu'il arrive, il faut toujours garder. Il faut toujours se dire qu'il y a pire que soi. Et que Dieu merci, que tout ce que vous voulez. On peut guérir. Même si des fois des choses sont incurables, bah, faut garder cet état d'esprit, pardon, jusqu'au bout. Je sais que c'est facile de dire ça, mais il faut vraiment rester comme ça. En tout cas, je t'écris cette lettre pour te remercier pour tout ce que tu fais, pour nous, pour le contenu que tu nous offres. Je voulais aussi te féliciter pour ton magnifique parcours sur YouTube. Tu sais, Coty, mon rêve, c'était de te voir en vrai. Et un jour, à la PGW, il s'est réalisé, je t'ai mis les... Je vous dirai pas quoi, vous allez voir après. Grâce à toi, parce que tu es proche de tes abonnés, sérieusement, tu es un mec en or, simple et très franc. C'est pour ça qu'on t'aime, bah, merci beaucoup. Je voulais aussi te dire quelque chose, mais ça reste mon avis par rapport à ce que tu as dit dans la FAQ 70. Je pense que c'est une très mauvaise idée de passer sur ta chaîne secondaire Let's Go, car tu feras encore moins de vues puisqu'elle n'est plus active. Tu devrais rester sur Muscle Coty, mais faire ce qui te plaît pour habituer tes nouveaux abonnés aux vidéos que tu aimes faire. S'ils s'abonnent, c'est qu'ils aiment ça, donc ils seront actifs. Mais tu as beaucoup plus d'expérience sur YouTube que moi, donc voilà. Bah, en fait, t'as pas tort en quelque sorte, mais la chaîne Let's Go, en fait, je voulais la supprimer, puis la recréer, enfin la reprendre, faire une dernière vidéo sur la chaîne principe, sur la chaîne de Monsieur Coty, et expliquer comment ça allait se passer. Mais depuis quelques jours, depuis les lettres, depuis pas mal de choses, j'ai compris qu'il fallait garder la chaîne Monsieur Coty. Que je fais ce que je veux, c'est vrai que je fais moins de GTA, que je fais beaucoup moins de vues qu'avant, mais que même si une vidéo fait 10 000 vues, qu'elle fait 1000 likes, et que par rapport à avant, ça faisait 50 000, 100 000 vues, voire plus avec plus de 5000 likes, bah c'est pas grave, parce que au lieu de se concentrer sur ce qu'on a perdu, bah autant se concentrer sur ceux qui sont restés, et faire plaisir à ces gens-là. Donc maintenant, mon optique c'est ça, et bah du coup maintenant je continue, je fais ce que j'aime, et merci beaucoup à vous, voilà. Voilà, encore merci Nasser. T'es super et tes vidéos aussi. Signe un de tes petits loups, ton plus grand fan, Vincent A. Parce que je dis pas de mon famille pour éviter. Alors, oups, là c'était coordonné. Bon, ça va. C'est que ton Twitter. Just Vince, Instagram, Snapchat. Vincent 93, je croyais l'avoir déjà vu sur Snapchat. Ça me ferait très plaisir que tu répondes à ma lettre par message privé sur Twitter. Bah, y a pas de problème. Là, tu l'as bien écrit ton Twitter, y a aucun souci. Je te dirai, j'ai vu ta lettre, attention. Alors attends. Donc c'est Vince Hunter son pseudo sur YouTube. Voilà. Alors il m'a envoyé ça. Ensuite. Alors attendez. Il a envoyé une petite photo. J'aimerais bien que tu montres les photos en vidéo pour que tu les affiches dans ta chambre. Ouais, mais faut que je sache où les mettre. Parce que chez moi c'est le bazar. Mais je pense que je vais faire un mur ici là. Un mur abonné. Où j'aurai plein de photos avec les abonnés. Donc là c'est les photos qu'on a prises à la PGW. Et ce qui était au stand Touquet, parce que bah, j'avais la chance de pouvoir aller au stand Touquet. Attends, cette photo à ce moment-là, attends, c'était quand? Ah oui, d'ailleurs, en plus, il y a un pote à moi là. Et derrière, allez, vous voyez ici, là? Ici, cette personne-là, qu'on voit très peu. Bah, c'est mon frère, voilà. Donc, si vous voulez voir mon frère, eh bien, il était là. C'était le mercredi, si je dis pas de bêtises, où il y avait mon frère. Qui était venu avec un ami et un autre ami, et on était resté sur le stand de Touquet à jouer à WWE. Donc voilà, c'est spotted. Vivement la Paris Game Week 2016, on se verra encore tous, et on discutera, parce que je vous l'ai promis, hein,
Moi, quand j'étais parti à la Paris Game Week, j'ai dit, on va se voir, on va discuter. On sait pas genre, bonjour, allez, salut, on se barre. Non. Et j'ai respecté ça. Parce que là, il y avait aussi deux petits loups qui étaient ici. Là, il y avait deux abonnés. Voilà. Parce que j'ai toujours dit, un YouTuber sans ses abonnés, c'est rien du tout. Et j'ai toujours dit que bah, à chaque fois, je remercierai de la meilleure des façons. Alors, tu m'as envoyé... Attends, là, c'est d'abord les dessins. Alors, montre-moi ça. Prix au kilo. What the fuck? C'est des beaux dessins. Tu es iranien, d'accord. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais bien. Je vous remercie. Aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V. Ouais, t'as fait un dessin. Et là, c'est là où je vois, finalement, que mes expressions et toutes mes bêtises... Bah, sont retenus par tout le monde finalement. Et là en fait il a fait un cochon au kilo. C'est là où je me rends compte que bah, que ce que je fais finalement, c'est comment dire ça, bah c'est comme des mimiques, au final vous les reprenez en même temps que moi. Et là tu m'as envoyé des petites cartes. Alors attends, c'est des cartes mignons que t'as un petit peu scotché, rapace des piques. Alors attends, est-ce que c'est normal que ce soit scotché? Alors, je vais vous les montrer une par une. Normalement, attendez, on va vous les montrer. Je vais vous les montrer comme ça. Hop là. Voilà. J'ai vu le film Les Mignons il y a pas mal de temps. D'ailleurs, je sais plus si j'en avais fait une vidéo vlog ou pas. Et ça va. Le film était sympa, mais sans plus. Enfin, j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'il m'aurait un petit peu plus plu. Ouais, non, franchement, c'était sympa. En plus, faudra peut-être que je regarde une deuxième fois. Parce que moi, je suis méchant. Le 1 et le 2, bah, c'était top. Et je me dis, tiens, un film sur les mignons, complètement, ça va être encore plus top. Mais je sais pas, il y avait. Ils sont peut-être pas partis assez loin. Il y avait des moments assez drôles. Il y avait des moments, ouais, non, très sympas. Mais finalement, je me suis peut-être un petit peu ennuyé sur le film. Là, et les deux dernières. Ah, là par contre celle-là, c'est comme ça. Merci mon petit loup en tout cas pour tout ça, pour les photos, etc. Au moins ça me laisse des souvenirs à moi aussi, parce que finalement, vous avez pris des photos avec moi, mais moi je les ai pas prises. Donc ça fait plaisir que vous me les envoyez, parce que c'est vrai que moi, comme j'ai dit auparavant, j'ai les souvenirs, mais j'ai pas les photos. Donc merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait super plaisir. On se donne rendez-vous pour la PGW 2016. Attention, attention. Alors là, c'est une lettre de Charles qui habite un Saint-Laurent dans le 02. Normalement, ça va s'ouvrir assez simplement. Oh bah ça va, on est dans les temps. La vidéo va durer sans doute 50 minutes. On ouvre les lettres assez rapidement. On prend le temps de lire, c'est parfait. Hop. Alors là, tu m'as laissé ton adresse, ton nom de famille. J'ai un petit peu du mal à lire. Faudrait que je demande à mon frère que j'ai. En fait, j'ai du mal à lire quand c'est attaché. Oui, je suis un boulet un petit peu. Mais c'est pas grave. Alors, voilà, c'est très clair. Pour Monsieur Coty, cher Coty, je m'appelle Charles, j'ai 12 ans et je vais expliquer. Attends. Et je vais expliquer comment j'ai connu ta chaîne. La première vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'était la tienne. Le titre de la vidéo, c'était GTA 5 Online, on attaque la base militaire avec les abonnés, ouais. D'ailleurs, on va reprendre ça. Hein. On va reprendre en 2016, le gang du BMX, tout ça. J'ai des idées pour que ce soit un peu plus sympa. Enfin, pas plus sympa, mais que ça se renouvelle un petit peu. J'ai des idées, hein, vous inquiétez pas. Je vous conseille cette vidéo. Au début, j'ai cru que GTA 5 était un jeu militaire. Et puis, j'ai tapé sur YouTube GTA 5. Et j'ai commencé à regarder... les vidéos de Bodyguard Game Online, puis un an après, je me suis acheté GTA V version Xbox One avec la Xbox 360, parce qu'avant, je n'avais que la Wii. Ah oui, que franchement, c'était la Wii. C'est dommage qu'il n'ait pas sorti sur la Wii ou sur la Wii U, malheureusement. Retourne la feuille. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fini le mode histoire. Est-ce que tu pourrais faire une série ou une vidéo sur Minecraft? Oui, c'est prévu avec Steam, comme quoi. On prend le temps.
pas mal de personnes disent Cotier, c'est quand Minecraft, etc. On prend notre temps pour trouver la bonne série, et en ce moment, vu qu'il y a Lego qui est sorti, etc., bah Steam il est un petit peu occupé, mais quand il aura fini d'être occupé, et moi aussi d'être occupé par rapport à d'autres choses, on le fera, il n'y a pas de problème. Et aussi faire une vidéo sur agar.io. Bah, moi j'aime pas ce genre de jeu. Je trouve que ceux qui font les vidéos. J'aime bien y jouer, tout seul dans mon côté, mais je trouvais que les gens qui faisaient des vidéos sur ça, c'était seulement pour le buzz et faire des vues. Vous regardez bien, personne ne fait des vidéos. Pourquoi ils ne le font plus maintenant? Parce que bah, si le buzz est retombé, et ils savent que s'ils font une vidéo dessus, bah, ils feront moins de vues. Et il y a des gens qui pensent qu'à faire des vues, et ils se disent, ah, tiens, aujourd'hui, c'est ça qui marche, donc faut faire ça, forcément. Et fais des vidéos de GTA 5 plus souvent. Ouais, mais faut pas se forcer. Parce que plus on se force, moins c'est bien. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, attends. Je suis... Ah, j'arrive plus à lire la suite. J'ai du mal à lire la suite. Attends. Ouais, j'ai vraiment du mal à lire la suite. Attends. Si tu veux, tu peux me répondre. J'attends avec impatience, monsieur Coty. Fait ma lettre en vidéo, etc. etc. Lui dit ce qu'il aime bien, c'est Just Dance, c'est City Skyline, c'est Just a Cause, c'est Minecraft, agar.io. Il y a un moment, il met une phrase, mais j'arrive pas à la lire, je suis vraiment désolé. Voilà. Mais il n'y a pas de problème, en plus, tu m'as envoyé ta lettre, donc si tu veux que je te réponde, ce sera fait avec grand plaisir. Ouais, si, tu m'as demandé ça. Il n'y a aucun problème, Charles, avec grand plaisir. Désolé, hein. En fait, quand vous écrivez trois tâches un petit peu en pâte de mouche, bah moi j'ai un petit peu du mal à lire malheureusement. Ok, attends, je mets ça ici. Et puis c'est tout. Ensuite, il reste trois lettres et le colis à la fin. Alors là, c'est une lettre de Yanis qui habite à Pantin dans le 93. Ça, c'est pas loin de chez moi. C'est pas loin du tout. Hop. Alors, y a rien qui derrière, tout va bien. Ah, c'est quoi qu'il y a là? Salut Coty. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Yanis, j'ai 13 ans. Coty, tu es un de mes youtubeurs préférés, tels que La Salle, ZRK, Glitcher et bien d'autres. Je trouve que tu nous offres un super contenu sur les vidéos, sur les différents jeux que tu nous présentes, et ne fais pas attention aux petits rageux qui veulent te gâcher la vie, t'es super, ne t'arrête pas. Si tu peux me répondre, merci quand même, je te laisse mon adresse, et il a laissé son adresse. Malheureusement, tu n'as pas mis ton nom de famille. Donc Yanis, si tu te reconnais, Yanis, qui m'a écrit cette lettre, hein, mon petit loup, avec une Ah bah quoi que, ah bah non, c'est bon, il est écrit derrière. Voilà, j'ai ton adresse derrière. Il n'y a pas de problème, je te répondrai avec grand plaisir. Et oui, de toute façon, maintenant je fais plus attention au rageux. Je me dis, si je fais attention, bah ça va me rendre triste. Donc pourquoi se prendre la tête? Au lieu de penser à ceux qui ragent et qui sont méchants, bah autant penser à ceux qui sont super gentils, comme toi par exemple. Voilà, je me prends plus la tête, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on a une petite lettre de Bouimedine, qui habite dans le 31 à Toulouse. Ah, Toulouse, j'aimerais bien visiter cette ville. Après, ça me tente. Toulouse, Biarritz, Bayonne. C'est des villes que j'aimerais bien aller visiter. Je trouve que c'est des villes à visiter, ça. Pour moi qui est parisien. Alors, là, t'as fait un petit dessin. Et là, t'as fait encore un petit dessin. Alors, là, t'as fait Pray for Paris en retard, oui, avec les attentats. J'espère que ça s'arrêtera, parce que toutes ces conneries d'attentats, que ce soit à Paris ou dans le monde entier, faut que les gens arrêtent, parce que faire du mal, ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'on avance. Par Boumi. En fait, tu me fais un petit dessin. Je ne sais pas dessiner. Ah oui, censure sur l'enveloppe. Oui, t'inquiète, j'ai pas montré, il n'y a aucun problème. Et j'espère que tu manges halal. Et tu m'as fait un petit dessin de cochon. Voilà, normalement vous le voyez bien là. Et c'est un cochon humain en fait, avec des abdos. Hein. Ah, attention. Donc c'est moi en fait. Tu vois, parce que j'ai des abdos aussi. Ou pas. Merci beaucoup mon petit loup pour ta lettre. Enfin pour ton dessin. Comme je l'ai dit à chaque fois, si vous savez pas quoi écrire, faites un dessin. Ça exprime pas mal de choses, ça sert à rien de se prendre la tête. Merci Bohémédine. Et je te fais un bisou. Voilà. Ensuite, petite lettre de... On ne sait pas qui est bien scotché, parce
qu'il faut scotcher au cas où. Hop là. Oh, il y a des choses assez bizarres. Alors, cher monsieur Coty, je m'appelle Alexis L, pour pas dire son nom de famille. J'ai 13 ans, j'ai découvert tes vidéos grâce à GTA V, tes let's play. Je suis fan de toi depuis que tu as lancé ta première chaîne YouTube. Si tu veux m'écrire, il me donne ton adresse. Si tu veux me contacter, mon numéro de téléphone, etc. Tu peux m'envoyer une photo dédicacée avec mon nom, Alexis. Bah, si tu veux une dédicace, j'ai pas de photo malheureusement, parce que je me prends très peu en photo, enfin des photos qui sont imprimées, etc. J'en ai très peu, mais une dédicace, c'est aucun problème. Hein. C'est avec grand plaisir. Et le reste, il me semble, oui, il faut pas le lire. Attends, il y a des. Non, ça il faut pas lire, il me semble. Et tu m'envoies un petit quelque chose. C'est quoi ça? Attends, c'est en fait, faut le lire après le reste. Tu m'envoies une chaussure. Oui, je sens, on sait jamais. Il m'envoie une petite chaussure. Un petit porte-clés en chaussure. Première fois que je vois ça. Enfin, une chaussure comme ça, en plus, elle est assez grande. Comme on dit, grand pied. Tu connais la suite. Ça, attendez. Hop, je mets ça dans mon truc de porte-clés. Que j'ai un truc spécial de porte-clés avec tous les trucs que les petits loups me donnent. Voilà, c'est tous les porte-clés que les petits loups m'envoient. C'est le bras de MGS5 et je mets tout ça dessus en fait. J'aime bien. C'est un porte-clés spécial. Je trouve ça cool. Et tu m'as envoyé deux billes. Et en fait, tu m'avais écrit quelque chose par rapport aux billes. Et en fait, je pensais que c'est un truc à pas lire. Mais tu m'en as envoyé deux. Je sais pas si vous les verrez bien là. Attendez, j'essaie de vous les montrer comme ça plutôt. Oups, ne glisse pas. Là, c'est la première. Et là, c'est la seconde. Je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais jouer aux billes. J'adorais jouer aux billes en bas de ma cité ou à la récréation. J'adorais faire ça. Ah, je kiffais. Et tu m'écris un petit quelque chose en fait. C'est, il y a des billes, une vraie dent de requin, il y a plus de 20 milliards d'années environ, et un coquillage. En tout cas, il y a deux billes. Donc je ne sais pas si c'est ces billes dont tu parles. Mais si ça fait autant de temps, on va faire attention. Peut-être celle-là. Je vais la mettre ici, parce que ici, c'est des trucs, des souvenirs un petit peu précieux, on va dire. Hop là. Merci beaucoup, en tout cas, mon petit loup. Attends, tu t'appelles comment déjà, pour te remercier? Merci à Alexis L, qui habite, je ne sais... Attends, qui habite où? Bah, en fait, il n'a pas dit où il habitait. Ah, si, non. Il habite à Lyon, dans le 5e. Alexis L, qui habite à Lyon, dans le 5e, je te fais un gros bisou. Voilà, merci beaucoup. Et je te répondrai avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci. Alors, maintenant, c'est le tour du colis, et le colis, c'est, ça vient du Canada, ça vient de Christine C, qui habite à Montréal, voilà. Donc, on va ouvrir ça, on va essayer de l'ouvrir du mieux que je peux, puisque vous me connaissez, c'est un peu compliqué. Je préfère ouvrir ça à la fin et pas au début, parce que, bah, parce que c'est comme ça, voilà, on se prend pas la tête. Alors, comment on va faire ça? Comme ça, peut-être? Heureusement qu'il y a le ciseau, hein. Parce que franchement, s'il n'y avait pas le ciseau, on serait dans le beau drap. Ouais. Un peu de scotch ici. Nickel. Ah. Un peu de scotch là, un peu de scotch partout, un peu de scotch, c'est tout. Oh là là! Oh là là, il y a beaucoup de choses! Donc on va y aller progressivement, hein, petit à petit. Attendez, hop, je mets ça ici. C'est comme un unboxing d'une box. Alors là, on a un Kinder Bueno qui vient du Canada. Ça vient pas de n'importe où. Attends, la date de péremption, c'est jusqu'au mois d'avril 2016. Je vérifie, qu'on sait jamais. Hein, parce que, attendez, oui. C'est un Kinder Bueno White. Je le mangerai en live, celui-ci. Je le mangerai en live et je penserai à toi, Chris. Attends, tu t'appelles bien Christy, attends. C'est bien Christine. Je penserai à toi. Christine, c'est bon. Ensuite, nous avons, hop, ici. Attends, je vais mettre ça comme ça, ce sera plus simple à déballer. Une carte du Niagara. Salut Coty, petit coucou du Canada. Bah merci beaucoup. Le Niagara, je ne savais pas que c'était au Canada. Je pensais que c'était aux États-Unis ou une connerie du genre. En tout cas, c'est une belle carte postale. Merci beaucoup. Que je fais toujours un bisou, j'aime bien. C'est comme si je faisais un bisou à Christine. Ouais. Attention. Ensuite, nous avons...
un calendrier 2016, et j'en ai même pas de calendrier 2016, c'est vrai. Et c'est un calendrier 2016 de Tahiti et ses îles. C'est une très bonne idée, ça. Et en fait, on a... Mes écrans qui s'éteignent. On a, par exemple, le mois de janvier. Là, on est au mois de février. Donc, on va montrer le mois de février sur un bateau, par exemple. Hop. C'est un petit calendrier. C'est bien que ça prend pas beaucoup de place. Et ainsi de suite. Ah, ça, c'est franchement, c'est le genre de calendrier qui vous donne qu'une envie, c'est de partir en vacances. Et là, tu m'as déprimé. Non, franchement, ça donne qu'une envie, c'est vrai, c'est de partir en vacances. Rien d'autre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oh, un petit porte-clés. Un petit porte-clés. J'ai du mal à le dire, excuse-moi. Un petit... Pardon. Excusez-moi. Laissez-moi vous ouvrir, monsieur. Ah mais il est vilain, Mickey. Il veut pas se laisser s'ouvrir. Mickey, j'ai pas de porte-clés, Mickey. Non, j'ai pas de porte-clés, Mickey. Hey, salut les enfants. Vous allez bien? Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, petit porte-clés, Mickey, je pense que je le donne à ma mère, lui. Parce que ma mère, elle aime bien les dessins animés. Son dessin animé préféré, c'est Blanche-Neige. Mais vu qu'on n'a pas Blanche-Neige, bah, je vais lui passer Mickey. Faut pas qu'à chipote non plus, hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, quelque chose de très bien emballé. C'est quoi, ça? Qu'est-ce donc? C'est très bien emballé. C'est très facile à ouvrir, en fait. Ce qui m'a étonné. C'est quoi? What? Ah, d'accord. Attention, s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, fermez vos yeux pendant 30 secondes, s'il vous plaît. Les parents, si vos enfants regardent cette vidéo, qu'ils ferment les yeux pendant 30 secondes, quelque chose qui peut être interdit au moins de 16 ans au moins. Voilà, je préviens au cas où, c'est bon. Donc, on m'a envoyé un verre Made in Canada. C'est un verre de fou. Voilà. Je sais pas si c'est par rapport au tien, Christine, je n'ai aucune idée. Ils ont été moulés par rapport à toi. À toi de me dire ça. N'hésite pas à me dire sur Twitter si c'est par rapport à toi ou pas. En fait, c'est un petit verre, tout simplement. Je sais pas, pour boire un petit verre de thé ou peut-être du chocolat. En tout cas, c'est c'est très marrant. Attends, je suis étonné. Merci beaucoup, en tout cas. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, en fait, là, il y a beaucoup... Oh, ça, il faut même pas que mon frère les voit. Parce que si mon frère voit ça, en fait, il y a un tas de Ferrero Rocher. Il y a un tas de Ferrero Rocher. J'aimerais bien le manger en vidéo, mais en fait, si je le mange, je... En fait, je vois si vous connaissez, voilà, c'est des petites boules Ferrero Rocher. Il y en a, je vais les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 9 en tout. Et tu as aussi envoyé deux petites choses. Bon, je vais essayer de les récupérer. Les Ferrero Rocher, c'est pareil, j'adore ça. J'adore. Mon frère, il adore encore plus. Et je les mangerai en live. Voilà. Comme ça, ce sera parfait. Et si je mange ça maintenant. Et là, oui, c'est du Space Invader, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien du Space Invader. Là, on a le rouge. Et ici, on a le jaune. En tout cas, c'est top. Les deux comme ça. Ouais, ils sont de la même taille. Hein. Exactement. Attends, je vais les mettre ici aussi. Il faudrait que je range ici, parce que c'est un peu le bordel. En tout cas, merci beaucoup, Christine. Tu m'as envoyé tout plein de choses. Un calendrier. Des Kinder Country, Kinder Bueno, pardon. Country, parce que je l'ai mangé tout à l'heure, c'est pour ça. Tu m'as envoyé une carte postale. Tu m'as envoyé plein de Ferrero Rocher. Un verre des plus what the fuck. Mais tellement, tellement sympa, en fait, finalement. C'est drôle. C'est drôle et... franchement, c'est drôle. C'est excellent. Vraiment excellent. Franchement, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci encore à tous les petits loups qui m'ont envoyé bah, tout plein d'ondes positives, de lettres super gentilles. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire à part ça. Bah, encore une fois, il y aura l'adresse quelque part au niveau de l'écran. Si vous voulez envoyer quelque chose, n'hésitez pas à partager bah, votre vie, comment vous avez connu la chaîne, ce que vous aimez bien, ce que vous aimeriez revoir. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Ici, on se prend pas la tête, personne ne juge personne. Il n'y a aucun souci. Et en tout cas, bah, j'espère que cette vidéo bah, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bah, vous pouvez laisser un petit like
Voilà, c'est toujours cool, voilà, c'est pour savoir si... Voilà, c'est ce que je lui demande, c'est tout. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut.